life. Salut les amis, c'est Séraphin sur Subnautica, complètement débugué. Alors, la dernière fois, on a eu un gros bug à la fin. J'ai carrément même fini sous la map, je suis descendu à 1100 et des poussières de profondeur, et impossible de bouger, c'était tout carré, tout bizarre, j'étais enfermé dans une espèce de pièce géante. Et donc, j'ai dû me laisser mourir pour réatterrir ici. Donc voilà le bordel. Sinon, aujourd'hui, j'ai une grosse batterie, j'ai une pile de rechange, donc logiquement ça devrait aller. La combinaison anti-radiation, je l'ai. On va faire un tour dans l'Aurora, en essayant de pas se faire bouffer par Mister Léviathan. Alors, t'es où, Aurora? La capsule là-bas, et le cul, il est là-bas. Ok, donc on y va. Alors je sais pas combien de temps va durer l'épisode, je vais essayer de pas faire d'ellipse. En rigueur peut-être pour le retour, mais s'il y a des blueprints à prendre au passage, peut-être pas le faire. Donc ça va peut-être être un épisode en deux parties ou une, je sais pas combien de temps ça va nous prendre. Et j'ai l'impression qu'il va faire nuit. Alors ça va, l'aurora est rempli de flammes, donc on aura toujours de la lumière, mais c'est surtout les Léviathans qui font peur la nuit. On ira récupérer après les trucs. Voilà, on est par là. Commence à avoir de la profondeur, ça j'aime pas. De toute façon, on va l'entendre. Hein. S'il y a un Léviathan dans le coin, il fait des cris assez reconnaissables. Et s'il nous bouffe le Simote, et ben il n'y aura plus qu'à recommencer. Hein. Alors, ah oui, on est déjà proche. Alors là, potentiellement, il y a des Léviathans. Il y a de la profondeur et tout. Alors, j'ai pas trop envie d'y aller tant que j'ai pas le cyclope. Hein. Essayer de suivre. Alors, normalement, ça, c'est une des entrées. Voilà, ça y est, ça commence. Bon, allez, hop, on va se dépêcher parce que j'ai pas envie de me faire becter, moi. Par où c'est qu'on passe? Ouais, reste dans ton coin, toi, là-bas. Reste dans ton coin et fous-moi la paix. Il est pas loin. Ouais, ça a pas mal changé depuis. Hop, t'es où? Putain, j'ai l'impression que t'es pas loin du tout. Est-ce que c'est par là? On va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout si c'est là ou quoi, je vois rien du tout. Ouais, restez dans votre coin, vous. Ouais. Que ça se passe. C'est vrai, je suis parti du mauvais côté. Apparemment, non. Oh, un signal, ok. Ouais. Donc ça se passe. Je continue d'avancer, hein. Ouais, tiens. Ah, si, y en a une là. Quoi dedans? Ah, ça me sert bien. C'est vrai que je suis parti avec les batteries et tout, mais j'ai oublié de prendre carrément ce truc là. Avec ça, hein. Ça, ouh là, les flammes, ouais. Je sais pas si l'extincteur aurait servi là-dedans. Ouais, je me disais, j'ai un bug, j'avance moins vite. Vache. Je suis là-dedans.
De l'eau, ok. Je peux toujours servir. Oh bah, une grosse batterie. Oi, 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 oi. Ok, ça commence bien. Je vais cramer la gueule. Te dégage, insecte. C'est mon chance, hein. Alors, j'ai même pas le temps de lire ce qui se passe en dessous. Une trousse de soins encore, c'est parfait. La passerelle. Jusque là, il n'y a pas grand chose qu'on changeait. Ouch. Là, je commence à plus rien y voir. Hop, hop. Ok, ça change pas des masses. Je sais pas s'ils ont vraiment rajouté des trucs là dedans. Là par exemple on peut toujours pas y aller. Ok. Ah, plus trop besoin de lumière. On va voir. Normalement, il y a un truc à récupérer ici. Value de l'amélioration. Ok, le reste, on peut rien faire. Et ensuite, il faut réparer. Je sais plus combien il y en a à réparer. Ok. Tac, 9. Si je suis 3 secondes, oui. Non. Ça répare pas. Ah voilà. Logiquement, je devrais avoir cette batterie là-dessus, mais j'ai pris une pile au cas où. Apparemment, celui-là, c'est bon. Donc, là, ça va. Ok, celui-là. Voilà. Bon, il me reste combien, hein? Il me reste 4. Ok. Ok. Et... je me dis que le dernier est là. Ah bingo. Répare-toi, 40% d'énergie, ouais. Et voilà. La magie dissipe totalement. L'irradiation d'ici 3 jours. Tentative de téléchargement de la boîte noire de l'aura. Pas le temps de finir. Aquatic radiation levels are estimated to return to safe levels in T-minus 3 days, 10 hours. 3 jours et 10 heures.
Oui. Ça c'est fait, ça tremble plus du coup, mais rien d'autre de spécial à faire. Ils sont rien rajouté depuis. Ah si, ça tombe toujours un peu. Bon, je pensais qu'ils avaient rajouté plus de trucs, mais apparemment non. On est qu'à une dizaine de minutes d'épisode. Je sais pas si avec l'extincteur on peut vraiment arranger ça, mais à mon avis, même si c'est faisable, on devrait pouvoir le crafter. Du coup, je vais vérifier un peu partout s'il n'y a pas des trucs à scanner ou autre chose. C'est vrai qu'on est passé dans le noir tout à l'heure. Et voilà, je m'en doutais de celle-là. Et bien sûr, il est temps dans le coin, là, non, c'est bon. Ouais, on tourne là-dedans. Carrément au cul du truc. Pas l'air d'y avoir de blueprint. On va essayer de s'en écarter rapidos. Est-ce que je passe par là? Ouais, c'est faisable. Pas du tout où je m'enfonce, mais j'y vais à fond. Là, on a un débris. Apparemment, je l'entends plus gueuler, donc il ne peut plus être là. Ouais, sympathique ce petit biome. Ah, d'accord, une créature électrique, ok. Bon, alors du coup, la base est par là-bas. On va y retourner. Ah, et un petit biome champignon aussi, si, d'accord. Du coup, je pouvais pas y aller vu que c'était plein de radiation. Donc, on va regarder si on trouve des blueprints. Alors, apparemment, on ne voit toujours pas de blueprint. Hein. Ou alors. Ah, bah si, on voit là. Hein. J'espère que c'est des trucs que j'ai pas. Balance de pression, il me semble que je l'avais. Ouais, je l'avais. C'est que. Hop. La base est par là. On va essayer de longer un peu. Territoire des rôdeurs. Là, on en a un. Faut que j'arrête de descendre en pleine marche. Je me prends des dégâts des fois. Bioréacteur, bon, on l'a aussi. Ça monte. C'est toujours le biome champignon. Une zone désertique en général. C'est là où sont les rôdeurs, mais bon. Les rôdeurs, les. Ah, on a un truc là.
Voilà, je suis encore descendu en marche et voilà. Oh là là, mais il y en a partout là. Allez, go. Ouais, non, 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 non. Non, c'est pas celui-là que je veux. Console de maison. Non, ça aussi, je l'ai. Oh. Je peux pas trouver ce que je veux. Comme j'ai dit, je me suis pas du tout renseigné d'où sont les blueprints. Je fais vraiment à l'arrache. Là, on en a un. Deux même. Et on a des piranhas. Merde, je l'ai perdu. Ah, il est là. Bioréacteur encore. Ils font chier avec leur bioréacteur, il y en a partout. Je sais pas si c'est la même. Ah, je m'en doutais. Hop. Oh, vache. Ouais, donc c'est par là. On continue un peu par là-bas. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Augmente 6 motres. Tac. Un petit débris là. Tiens, on va aller le regarder. Ah oui, on est vraiment proche. Ah oui, on va. 6 motres. Je suppose que là-bas c'est la même chose. C'est quoi ça? Moteur. Ah, ça je crois que j'avais pas. 1 sur 3. Là, on a aussi quelque chose. Moteur. Ça c'est quoi? 6 mètres, on s'en fout. Le moteur, oh, on a une boîte là-bas. Wow, 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 doucement. Putain, d'eau, qu'est-ce qu'on a à foutre? Ah, mais pas mal de trucs ici. J'avais pas vu une autre boîte? Si, là. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Oui, oui, je sais. Toujours pareil. Et une boîte buggée et un signal. Voilà. Hop, allez, go dans le. Emergency. 10 seconds of oxygen ça vole remaining. De partout, ça. C'est quoi ce bordel? Je reprends l'oxygène et puis je vais visiter ce petit truc là, à mon avis il n'y a pas grand chose dedans. Ah si, il y a quand même 3 boîtes à les récupérer. Allez, on y va. Ouais. Il y a arnaque ou quoi là? C'est lourd, fort. Oh. Tape un peu de l'eau quoi. Une pile, ça c'est toujours intéressant. Bon, alors on n'aurait vraiment rien d'autre dans le coin là. Ah, tous les coups c'est corps du signe, tout ça. Nous on est là-bas. J'ai quand même un petit coup d'œil là-dedans. Caution. Passing safe depth. Ouais, ouais, je sais, je sais.
vole encore de partout. Tout ce coin là c'était le coin qui était donc irradié, donc du coup j'ai jamais été. On doit approcher. Oh là là, il y a plein de trucs à récupérer dans le coin. On va refaire une razzia au niveau de titane et tout ici. Ah, encore un autre débris ici. Oh, ça peut être intéressant là. Alors, on va sortir, on va se soigner, boire un coup. Et j'ai plus beaucoup de place. Alors, voyons voir. Pas grand chose. Bureau, chaise, j'ai déjà. Là, on sort, ok. Là, il n'y a rien. Ici, on n'a rien dans le sol. Bon. Et je suis bloqué. Ok, bon, on va faire le tour, c'est pas grave. On a un tour pour rien. Et vous, par rapport à... Ah, là, on est vraiment au cul du truc. C'est toi qui faisais ce filet là. On en profite pour faire un petit tour dans ce coin là. Voir les biomes qu'on a. Pour l'instant, c'est du classique. Là, on a une faille. Bon, ça va même pas très loin. Ok, bon, on va se rentrer à la base. Donc logiquement, si le jeu dit vrai, d'ici 3 jours et pas mal d'heures, on devrait plus avoir de radiation. Du coup, on pourrait changer carrément de combinaison. Voilà. Ouh ! Et ça éclaire ces trucs-là. Pourquoi avoir mettre des spots lumineux si ça éclaire bien ? Ah ouais, sympa. Du coup, l'entrée est là-bas. Ah oui, par contre... Maintenant, l'énergie... Pour la CFA allumée, elle continue à défiler. Alors, titane. Voilà. Ensuite c'est tout. Bon bah, du coup j'ai gagné des piles de rechange. Les bouteilles d'eau on peut les laisser aussi. Les soins on peut les laisser. Ça c'est quoi? Module d'amélioration de rendement d'énergie. Ouais. On peut voir sur ces notes si ça marche ou pas ce truc. Hop. Non, apparemment c'est pour le cyclope. Hop. Donc voilà les amis, sur ce on va se laisser là. C'est vrai que ça éclaire super bien ce truc. Allez, bonne journée à vous. Ciao.